14 juillet 2022. Comme de coutume, nous allons déposer les gerbes et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le sénateur Tien Biak qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Et je vais laisser deux élus pouvoir déposer les deux gerbes, la gerbe du conseil municipal et la gerbe de monsieur le sénateur. Merci de bien vouloir observer une minute de silence. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés au pied de notre belle Marianne pour célébrer le 14 juillet. Merci d'avoir répondu à cette invitation. La fête nationale nous donne l'occasion d'avoir une pensée pour tous ceux ayant contribué à la grandeur et au rayonnement de la France. Nous devons aux philosophes du siècle des Lumières d'avoir fait de la France l'image d'une nation grande et rayonnante, non pas par sa taille, mais par la force et la pertinence des idéaux qu'elle incarne. Tous ensemble, nous leur rendons hommage et nous rappelons le sens qu'ont voulu donner ces grands hommes en inscrivant liberté, égalité, fraternité au fronton de nos mairies. Il ne suffit pas d'en être fier. Encore faut-il s'imposer le devoir de ne pas laisser s'éteindre la flamme. La recherche d'une plus grande liberté et d'une vraie égalité a été le rêve de tous les êtres épris de justice. Cette égalité n'est pas le synonyme d'uniformité. Elle signifie la possibilité pour chacun de s'affirmer avec les mêmes chances que l'autre. La fête nationale, c'est l'amour de l'autre, l'acceptation de ses idées, l'opposition au sectarisme, le droit à la différence, le refus de l'intolérance, le rejet des intégrismes, la dénonciation des égoïsmes. De nos jours, cet esprit a pris une forme plus moderne avec la solidarité qui anime nos villages, les associations, les bénévoles, le formidable élan de partage et d'implication que toutes ces personnes unies, elles agissent dans un intérêt commun. Après deux années compliquées, en raison d'un virus qui continue à faire partie de nos vies, cet esprit de solidarité se doit d'être mis encore plus en avant. Au fil du temps, un état de droit s'est aussi transformé en un état de devoir. Un devoir de mémoire, nous le faisons aujourd'hui, un devoir d'exemplarité. L'actualité nous montre à travers le monde la souffrance, la violence et la guerre. Aux portes de nos vies, elle met en évidence la détresse, la misère, l'abandon. Nous devons alors penser aux droits, mais aussi et surtout aux devoirs. L'actualité, c'est aussi dans notre village des actes solidaires qui nous donnent la force d'avancer et de construire. Pour l'avenir. En ce 14 juillet, je voudrais saluer de manière collective toutes les personnes de bonne volonté qui agissent pour le bien commun.
qu'elles soient organisées en association, en comité, ou qu'elles agissent au quotidien dans leur entourage, pour que la vie soit plus agréable pour chacun. C'est aussi ça, les valeurs de la République. C'est aussi un devoir que de s'impliquer. En ces temps bousculés, c'est notre fierté et celle de notre pays que de rester fidèle à nos valeurs de citoyenneté, de fraternité et de tolérance. L'idéal que nous célébrons aujourd'hui appelle au recueillement, nous invite à la vigilance, mais nous encourage surtout à espérer en la France, cette vieille nation héritière d'un glorieux passé, porteuse de tant d'atouts pour son avenir, à commencer par notre jeunesse. Vive la France, vive la République et vive Bessin. Puisque dans deux jours, nous fêtons le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv et nous profitons de la présence de Monsieur le Sénateur pour évoquer cette partie de l'histoire et je laisse la parole à Ronnie Despâtures. Nous sommes le 16 juillet 1942. Il est 4h du matin et les rues de Paris, d'ordinaire si paisibles, sont happées par les bruits lointains des cris d'enfants apeurés et de vieillards malmenés. Dans le 18e arrondissement, Rose Sipler, 11 ans, et sa sœur Hélène, 8 ans, arpentent encore le doux monde des rêves sans se soucier un seul instant que les loups rôdent derrière leurs portes. En effet, au même moment, dans toutes les rues de la capitale, l'agitation gagne les foyers. Près de 4500 policiers viennent de recevoir l'ordre de l'État français d'arrêter des milliers de malheureux dont leur seul tort fut d'avoir été les enfants d'Abraham. Rose et Hélène, comme des milliers d'autres, sont tirées du lit sans avoir le temps un seul instant de prendre quelques affaires personnelles. Acheminées dans un bus, elles regardent une dernière fois derrière elles cet immeuble qui les a vu grandir. Au petit matin, les premiers rayons du soleil frappent les vitres embuées d'un immense bâtiment que l'on surnomme ici, lui donner la tombe, le Veldiv. Fatiguées par une nuit d'angoisse, les portes du bâtiment qui s'ouvrent désormais à elles laissent entrevoir un spectacle accablant. Des milliers d'individus sont parqués comme du bétail, sans eau, sans nourriture, écrasés par la chaleur de l'été. Au total, 13 152 juifs sont arrêtés, dont parmi eux 4115 enfants, 5919 femmes et 3118 hommes. Durant plusieurs jours, ils seront enfermés dans ces conditions inhumaines sans qu'aucune aide ne puisse leur être apportée. Le capitaine Pierret, pompier de Paris, est réquisitionné au Veldiv avec 5 autres sapeurs-pompiers sans trop savoir pourquoi. Ils y découvrirent l'horreur qui émanait de ses portes. La vision insoutenable de ces pauvres airs assoiffés, les suppliant d'une aide quelconque, furent pour eux un moment de disgrâce, de honte d'appartenir à cette nation qui traite ainsi ses enfants. Sauver ou périr, telle est la devise des pompiers de Paris, dont ces 6 soldats du feu ont fait le choix d'honorer. Ils récupérèrent le lendemain des milliers de lettres qui seront distribuées. Ils déployèrent des lances à incendie afin de rafraîchir ces milliers d'individus. Dans cet enfer qui brûlait sous leurs pieds, je veux saluer ici l'héroïsme, le courage dont ont fait preuve ces pompiers de Paris au péril de leur propre vie, puisque toute aide pouvait être considérée comme un acte de trahison. Durant ces 5 jours de souffrance, d'horreur, d'agonie, ce peuple qui, au cours de l'histoire, fut longtemps méprisé et chassé, montrait une nouvelle fois avec quelle force il était capable d'affronter les pires atrocités. Au matin du 20 juillet, la décision fut prise de transférer ces pauvres miséreux au camp de concentration d'Auschwitz. Rose et Hélène foulaient pour la dernière fois ce sol français qui les avait vus naître. Aucun enfant ne survivra à cette rafle. Seule une centaine d'adultes sur les milliers d'emprisonnés y survivront. Et il faudra attendre 1995 pour que le président de la République, Jacques Chirac, prononce alors ces mots. Ces heures noires fouillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. Ces mots résonnent dans les cœurs des proches des victimes comme un aveu, comme un pardon de l'État à ses enfants. N'oublions jamais ô combien le racisme, l'antisémitisme, la haine des uns et des autres
sont un fléau pour l'humanité à laquelle nous appartenons tous. N'oublions jamais l'innocence de ces enfants que la haine a fauchés en cet été 1942. Et par-dessus tout, n'oublions jamais qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est dans ces heures sombres que se révèlent toujours les meilleures parties de nous-mêmes. C'était il y a 80 ans, et cette souffrance doit résonner encore dans les chairs et les cœurs pour que jamais nous puissions oublier que l'absence d'humanisme, de bonté et d'amour sont des crimes pour nous-mêmes et pour les autres. Vive la République, vive la France. Nous allons clôturer cette cérémonie en remettant des distinctions à nos sapeurs-pompiers volontaires. Au nom du président de l'Union départementale, nous vous décernons la médaille du mérite départemental échelon or pour vos 25 années de service. Adjoint au chef de centre le 1er janvier 2007. Lieutenant Christophe Fougat, au nom du président de l'Union départementale, nous vous décernons la médaille du mérite départemental échelon or pour vos 25 années de service. Adjudant chef Laurent Soulier, JSP à Florensac de 1994 à 1997. Intégration SPV le 7 juillet 1997. Depuis 2020, vous êtes adjudant-chef. Adjudant-chef Laurent Soulier. Au nom du président de l'Union départementale, nous vous décernons la médaille du mérite départemental échelon or pour vos 25 années de service. Nous allons vous remettre vos grades, le sommaire et le chef de centre par intérim. Vous la sortez bien. Et ben, je te laisse remettre là. Allez, on part, mais voilà. Merci. Merci. Merci.